Monsieur Pavrio, bonjour. C'est Liam Brookin pour Mediapart. Excusez-moi, monsieur le maire, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Perdriau, bonjour. S'il vous plaît. Non, vous pouvez pas. S'il vous plaît, une question. Si Gaël Perdriau ne souhaite pas répondre à nos questions, c'est peut-être parce qu'en décembre, son ancien directeur de cabinet l'a accablé devant les juges. Comme l'a révélé Mediapart, Pierre Gauthiéry a affirmé que c'était bien le maire de Saint-Étienne qui avait donné son feu vert pour lancer une opération de chantage à la sextape visant son adjoint Gilles Artigue. Ce nouveau témoignage enfonce un peu plus Gaël Perdriau, qui a déjà été mis en examen pour chantage en avril 2023. La question de sa démission se pose à nouveau et divise sa majorité. Depuis un an et demi, le maire de Saint-Étienne se fait discret, évitant journalistes et événements publics. Mais ce jour-là, il présente ses vœux aux agents de la mairie. Mediapart.